Regarde, son sabbat. Ils n'étaient pas armés, c'était des pèlerins en route pour la Mecque. Triste pèlerinage, s'il en fut. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont morts. Ils ont été massacrés de sang-froid. Qui a pu faire le coup ? Une bande de pillards, les Turcs. Une tribu ennemie, ou n'importe qui. C'est monstrueux. N'ayez pas peur. On vous fera aucun mal. Nous allons le mener à Pierre de Coucy. Nous sommes qu'à quelques lieues de son palais. Il en prendra soin. Thibaut. Pierre. Pierre. Te voilà donc, félon que tu es. Pas la moindre nouvelle depuis 4 ans, Thibaut. Comme c'est mal de laisser ses amis dans l'inquiétude. Comment j'arrive et déjà tu me provoques? En garde. Plus de 4 années sans te voir. Ah, je devrais te tuer. Ah, tu n'as pas changé, Pierre. Si, j'ai changé, ami. Oui, c'est vrai, j'ai appris la mort de tes parents. Tu sais combien je les aimais tous les deux. N'en parlons pas, Thibaut. Ne pensons plus qu'à la joie d'être à nouveau réunis. Et cette fois-ci, je ne te laisse plus repartir. Isabelle. Thibaut, te voilà enfin revenu. Que tu es belle. Que tu ressembles à ta mère. Notre mère. S'il t'avait été donné de voir notre pauvre mère ce jour-là, Thibaut. Elle, qui s'était toujours montrée bienveillante envers les Arabes, qui avait soigné leurs malades, secouru leurs pauvres. Et pour l'en remercier... Ce fut affreux, horrible. Horrible. Ils ne se sont pas contentés de la tuer. Oh, Thibaut, si tu l'avais vu, jamais je ne pourrais oublier. Allons, Pierre, tais-toi. Monseigneur, où doit-on mettre le blessé? Ah oui, c'est juste. Nous avons trouvé un groupe de pèlerins musulmans dans la vallée de Temriq. Ils venaient d'être massacrés. Oh non. Le seul survivant était gravement blessé et Blanchot et moi l'avons transporté ici. Prends ton blessé et emporte-le loin d'ici. Je n'en veux pas chez moi. Pourquoi ne l'as-tu pas laissé mourir dans le désert avec les autres? Conduis-moi jusqu'à lui. Pourquoi gardez-vous le silence? Je suis ici pour vous porter secours. Je ne saurais vous soigner utilement si vous ne m'aidez pas. Je ne veux pas rester ici, sous un toit chrétien. Non. Vous voyez, ils ont été massacrés par des chrétiens. Mais ça n'est pas possible. Si, hélas, ça l'est. Allons, viens à présent.
Tu es revenu. Nous allons fêter un tel événement. Pour fêter, Thibault, vite, on s'aille tous à la chasse. J'aperçois une gazelle, elle est à moi. Non, elle est à moi. Jamais tu ne pourras attraper Tache Brun. Tache Brun, à nous, file. Pierre, Isabelle n'est plus avec nous, elle a disparu. Laisse, elle nous rattrapera. Plus vite, Tache Brun, plus vite. Tu es mon hôte, Thibault, je te la laisse. Mais oui, Isabelle. Isabelle. Isabelle! Ce sont les hommes de Youssouf! Oh, sa cape! Oh non! 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 Isabelle! Je les tuerai, Thibault, tous jusqu'au dernier! Je les passerai au fil de l'épée! Pierre, calme-toi, je t'en conjure. Qui iras-tu tuer, allons? Tu ne sais même pas où elle est. Je la retrouverai, Thibault. Je la retrouverai et je tuerai tous les Arabes de Palestine! Pierre de Coucy ne fait pas de quartier! Thibault, oh, c'est trop d'épreuves pour moi, Thibault. Ils viennent tuer mes parents et ils enlèvent Isabelle. Dis-moi, Thibault, dis-moi toute la vérité. Est-ce que je sombre dans la démence? Pierre, c'est toi qui as attaqué la caravane de musulmans. C'est toi. C'est exact. Et je ne l'ai pas un instant regretté. Et le ciel m'est témoin que si ces chiens touchent un seul cheveu d'Isabelle, je les tuerai tous jusqu'au dernier. Pourquoi a-t-il fallu que cela arrive à Isabelle? Oh, Thibault. Je suis prêt à donner une forte rançon, tous mes biens, tout ce que je possède, à condition qu'il me la rende. Je vais partir à sa recherche. J'espère que j'arriverai à temps. Tu as dû voir des cavaliers emporter la jeune chrétienne puisque tu es resté ici. Si tu refuses de me dire la vérité, il va y avoir une terrible effusion de sang entre les Arabes et les Francs. J'ai vu passer des cavaliers. C'était des hommes de Youssouf. Thibault, je suis heureux de te retrouver, mon ami. Tu me fais grand honneur en m'appelant ton ami, puissant Youssouf. Ah, si tous tes frères pouvaient parler comme toi.
Il te ressemblait un peu. Il arrive quelquefois, malheureusement, que mes frères sous l'empire de la peine agissent de façon inconsidérée. Par exemple, Pierre de Coucy. Quand Pierre est en proie au chagrin, la vie des nomades, des pèlerins et des cavaliers du désert est en danger. Les pèlerins l'ont appris à leurs dépens. Mes hommes n'ont pas encore pu s'emparer de Pierre de Coucy. Il est dommage que sa jeune sœur se soit trouvée sur leur chemin. Elle est innocente. Son frère l'aime beaucoup. Déjà, il commence à souffrir. Il a versé le sang. Il doit payer le prix. J'irai et je lui parlerai. Il comprendra, je m'en porte garant, qu'il devra payer une rançon très importante pour le prix du sang. Que demandes-tu ? La tête de Pierre de Coucy. Ton prix est trop fort. Si je ne l'ai pas, la tête d'Isabelle me suffira. La tête de la sœur ou celle du frère. C'est le même sang. S'il était de ma race, je le mettrais à mort moi-même. Et je sauverais ainsi cette jeune fille. Elle me paraît ornée de toutes les vertus. La beauté, le courage, la noblesse. Elle méritait un autre frère. Tu veux la voir? Avec, tu viendrais. Youssouf demande que lui soit payée une forte rançon. Oh, Pierre la paiera, ainsi qu'il le fait toujours. L'an dernier, il a donné 200 pièces d'or pour que lui soit rendu un de ses chevaliers. Et deux mois plus tard, il exigeait la même somme pour un cavalier arabe qu'il avait capturé. C'est un jeu entre les Arabes et lui. C'est la même cassette pleine d'or qui va et qui revient. Quand penses-tu pouvoir m'emmener? Pas tout de suite. Il te faudra encore patienter. Je dois parler à Pierre du montant de la rançon. Ainsi, Youssouf veut ma tête. C'est cela, hein? Voilà ma réponse. Regardez. Elles sont 10 femmes, là, tu vois. 10 femmes appartenant à sa tribu. Il croit sans doute que j'ai peur. Youssouf sera bien forcé de me rendre Isabelle. Il n'aurait jamais dû faire cela. Ah, c'est un signe. Tu crois que je devrais lui porter ma propre tête? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu penses, traître. Pauvre fou que tu es. Tu ignores tout de la haine que nous voue ce peuple de sa félonie. Tu t'es laissé prendre à la fausse amitié des Arabes. Ils sont pis que des bêtes, tu entends? De la vermine! Ils n'entendent que les coups et le fouet! Œil pour œil, dent pour dent! 1000 d'entre eux pour un des nôtres! Je veux voir couler leur sang! Je sais ce que je dis! C'est le seul langage que Youssouf entende! Rochefort! Tu vas aller lui porter un message de ma part! Youssouf! Remets ma sœur Isabelle sur l'heure à mon messager! Si tu refuses de m'obéir, je jure que les 10 femmes de ta tribu seront décapitées! Pierre, tu ne sais plus ce que tu dis. Va, Rochefort. Allô, calmez-moi. Ah. Et que vas-tu faire à présent?
Je n'en sais rien. Crois-tu que le message intimidera Youssouf? Non, sûrement pas. Rochefort. Ils l'ont tué, les porcs. Ils ont tué Rochefort. Amenez les prisonnières ici. Je vais les tuer toutes de ma propre main. Eh bien! Vous avez entendu, qu'attendez-vous? Que tu aies recouvré la raison. Pierre de Coucy, tu agis de façon irraisonnée, indigne de toi. Si tu as tué sauvagement ces infortunés pèlerins, ce n'était que pour assouvir tes bas instincts de vengeance. Tu es sur le point de déclencher une guerre avec les Arabes qui mettra en péril tous les chrétiens. Nous avons toujours garanti la sécurité des pèlerins musulmans en route pour la Mecque. Si nous violons cette garantie, nous ne pouvons plus à l'avenir justifier notre présence en Terre Sainte. Vous êtes tous des lâches! Vous êtes tous des lâches. Mais ce n'est pas parce que je suis entouré de lâches et de poltrons que cela m'empêchera d'agir pour autant! J'irai seul. Inutile d'essayer. Ton cheval est un véritable éclair. Aucun autre au monde ne peut rivaliser. Amène mon cheval et deux autres en plus. Approche, Thibault. Pierre le démon t'attend. Il est prêt à se battre contre toi. Approche! Cette fois, ce n'est plus un jeu. Cette fois, Thibault, je vais te tuer. Ah!
Tu sais, ça m'est égal de quitter ce monde. Je mourrai heureux. Si à ce prix je sauve la vie d'Isabelle. Youssouf, je viens chercher Isabelle. Je t'avais demandé la tête de son frère. Pierre de Coucy est mort. Tu as ma parole et tu devras t'en contenter. Si tu n'étais Thibault, le chevalier, je prendrais offense de ce que tu viens de dire. Je comprends ta peine. Oublie-la. Tu as sauvé cette jeune fille. Je savais que tu reviendrais très vite. Je suppose que tu as ta rançon à présent. Oui, j'ai ma rançon. C'est ton frère qui s'en est chargé. Adieu, Isabelle.